Ah. La population de Saint-Pierre. C'est vrai que tout le monde ici est français, mais à l'origine, ils ce sont tous des gens de France, des pêcheurs qui viennent de différentes régions. Il y a des Bretons, il y a des gens qui viennent de Normandie, donc des Normands, et il y a des Basques. N'oubliez pas que les Basques étaient aussi à Terre-Neuve. Tout le monde connaît Port-au-Basque, Port-au-Basque, n'est-ce pas? Le port des Basques. Ici, il y a même un grand mur qui représente la culture sportive basque. Et on peut voir les jeux basques. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y a aussi à Saint-Pierre une autre population, des gens qui viennent de chez vous, des gens qui viennent de Terre-Neuve. Et ils sont venus à Saint-Pierre pendant la Prohibition. La Prohibition, vous vous souvenez de Al Capone, la mafia italienne, c'était la période où tout le monde venait à Saint-Pierre pour acheter le cheap booze, n'est-ce pas? Donc, les gens de Terre-Neuve sont venus ici pour travailler et finalement, ils sont restés, ils ont eu des enfants, ils ont eu une famille. Et il y a à Saint-Pierre des gens qui sont français, mais d'origine irlandaise. Ça, c'est sûr. Et on peut voir qu'à Saint-Pierre, il y a des gens qui sont comme moi, pas très grands, sauf la bouche, n'est-ce pas, qui est très grande, pas très grand, mais il y a aussi des gens qui sont très grands. Ça, ce sont probablement des Saint-Pierrais et des Miquelonais qui ont un grand-père qui vient de Terre-Neuve.